T'as plus de voix ? C'est difficile cette année. Ils vont trop crier. Je suis ton père. Avance un peu la montagnière, descends un peu la montagnière. Alors toi, t'es en quoi ? Je sais pas, en alien. J'ai pas le masque encore, hein. Hein ? J'ai pas encore le masque. Combien de temps pour faire ce déguisement ? Très longtemps, il fait froid. Ah bon ? Oui, très froid. Mais le soleil va arriver. Oui, on espère. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait là ? J'ai remis l'étoile à Lisa. T'as remis ? L'étoile. T'es déguisé en quoi là ? En alien. En alien ? Et toi ? Ton casque. En astronaute. T'es déguisé en astronaute ? Oui. Pour aller dans l'espace ? Oui. Lisa ! C'est bon d'avoir une passoire sur la tête. C'est pour éviter les rayons qui viennent de la Terre. Cosmique. J'ai tapé premier homme sur la Lune, donc ça sort le vaisseau. Et puis après, bah, tu regardes le cosmonaute, comment il est habillé. Et puis après, avec toutes les pièces que tu as, c'est-à-dire là, c'est des tuyaux de machine à laver, la vaisselle, récupérée. Hop, tourne. Bouteilles, bouchons, tuyaux de voirie, du sirop dur, et ça c'est un ancien porte-bébé. Voilà. Puis sur la fusée, là-haut, t'as le couvercle d'une cocotte minute. Ah non, celle-là, elle est belle, celle-là. Elle vient d'où, celle-là ? Non, mais là, c'est hors jeu, là. Ça va, toi ? Laurent, mais tu l'as trouvée où, celle-là ? Ah, c'est celle de hier soir. C'est celle de hier soir. Parce que le groupe, il en avait une belle aussi hier soir. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, là ? Moi, je suis le client moyen, toi, qui va aller sur la Lune avec sa grosse ski tout neuf. La totale, quoi. Un peu de crème solaire, et puis on va aller voir comment ça se passe là-haut. Et tu montes sur le siège ? Moi, je monte sur le siège et on va me donner un top départ. Ce que j'ai peur, c'est l'arrivée. Le départ, je m'en fous, je suis bien accroché. Mais alors, l'arrivée, là-haut, sur la Lune, je sais pas comment ça va se passer. C'est Tintin et Milou. Tintin, capitaine Haddock. Hein, Milou, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais là? Pose de lentilles. Non, mais faut pas que tu clignes. Ah, bah, c'est ça le problème en fait depuis ce matin. Hey, Rose, tu peux lui ouvrir l'œil s'il te plaît? Parce qu'il ferme. Lequel? Celui-là. Mais t'as pas l'impression que ta fusée est un peu obsolète quand même ? Ma fusée, non, mais moi, je ne suis pas obsolète. Je suis là, présent. T'as vu ? Encore une fois de plus. Non, attends, je rentre le ventre. Et là, nickel. C'est nickel. Impeccable. Je me concentre avant de faire le premier pas sur la Lune. Je l'amène à la fusée, direct, en direct. Prêt à décoller. Le truc, c'est qu'il faut qu'elle, avec la banderole, il faut qu'elle cache ce qu'il y a derrière. D'accord. Et okay. Au fur et à mesure qu'elles avancent, on découvre ce qu'il y a derrière. Parce d'accord. Que comme on n'a pas de char, j'ai raté mon char. Je suis vraiment désolée, je ferai mieux l'année prochaine. Pas de problème technique ? C'est bon, impeccable. Tout fonctionne. Jusqu'à présent, tout fonctionne. Dans combien de temps on part ? Dans pas longtemps, dans 5-10 minutes, je pense. Ça, ils ont fermé la route, donc ça va pas tarder. On va partir ouvrir le cortège avec la fanfare et on va suivre derrière. Voilà.